Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elle commente certaines choses lors de vos conversations? Ces remarques apparemment désinvoltes pourraient être sa façon d'exprimer son intérêt. Nous vous expliquons comment interpréter ces commentaires et quelles sont les meilleures façons d'y répondre, afin de ne pas passer à côté d'une connexion potentielle. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner à la chaîne et commenter « Je me suis abonné » pour que je puisse vous remercier. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. 1. Votre sens du style. Le sens du détail d'une femme s'étend souvent au choix de votre garde-robe. Lorsqu'elle remarque et commente votre style, il ne s'agit pas d'une simple observation. Ses remarques sur la mode sont sa façon de dire « Je fais attention à toi ». Les compliments sur votre tenue ou votre apparence générale ont plusieurs objectifs. Ils montrent qu'elle apprécie les efforts que vous faites pour votre apparence et lui donne une raison légitime de vous regarder de haut en bas. C'est une façon subtile d'exprimer son intérêt, sans pour autant se montrer trop entreprenant. Ne considérez pas ces commentaires centrés sur le style comme de la simple politesse. Ils servent souvent à engager la conversation, ce qui lui permet de s'engager avec vous sur un plan personnel. Qu'elle fasse l'éloge de votre coordination des couleurs ou qu'elle admire votre jeu de chaussures, prenez-le comme un signe positif. Elle ne se contente pas de remarquer vos vêtements, elle vous remarque. Réfléchissez à ce que ces compliments vous font ressentir. Renforcez votre confiance en vous? C'est exactement ce qu'elle cherche à obtenir. En vous faisant vous sentir bien dans votre peau, elle crée une association positive avec sa présence. C'est une façon intelligente de s'assurer que vous appréciez vos interactions avec elle et que vous avez hâte d'en avoir d'autres. 2. Votre intelligence. L'attirance intellectuelle est une force puissante. Lorsqu'une femme fait constamment l'éloge de votre intelligence ou s'accroche à chacun de vos mots, c'est un indicateur fort de son intérêt. Ces compliments axés sur le cerveau vont au-delà de l'attirance superficielle. Les expressions d'admiration pour votre perspicacité ou la façon dont vous expliquez des sujets complexes sont sa façon de dire « Je trouve votre esprit séduisant ». Cela montre qu'elle apprécie la substance et qu'elle s'intéresse à autre chose qu'à votre apparence physique. Ces éloges intellectuels ont un autre objectif, ils lui donnent une excuse pour s'engager dans des conversations plus approfondies avec vous. En faisant l'éloge de votre intelligence, elle crée des opportunités d'interaction plus significatives. Ainsi, lorsqu'elle dit que votre point de vue est fascinant, sachez qu'elle est probablement fascinée par bien plus que vos idées. Soyez attentif à la façon dont elle réagit lorsque vous partagez vos idées. Se penche-t-elle vers vous? Vous pose-t-elle des questions complémentaires ou fait-elle le lien entre vos idées et ses propres expériences? Ce sont là des signes qui montrent qu'elle est réellement engagée et intéressée. Elle ne se contente pas de vous flatter, elle cherche activement à établir un lien intellectuel avec vous. Ne vous sentez pas obligé d'être une encyclopédie vivante. Ce qu'elle admire vraiment, c'est votre capacité à penser, à raisonner et à partager des idées. Votre façon unique de voir le monde pourrait être la chose qui vous distingue à ses yeux. 3. Vos compétences ou talents. Les talents cachés ont le don d'attirer l'attention, surtout lorsque quelqu'un s'intéresse déjà à vous. Si elle remarque et loue vos capacités uniques, qu'il s'agisse de vos talents de guitariste ou de vos prouesses culinaires, prenez-le comme un signe positif. Les compliments sur vos talents sont plus que de simples observations polies. Ils sont l'expression d'une admiration et d'un intérêt sincère. Lorsqu'elle vous dit que vous êtes extraordinaire dans un domaine, elle vous dit en réalité « Je vois quelque chose de spécial en vous ». Observez sa réaction lorsque vous montrez vos compétences. Observe-t-elle attentivement, pose-t-elle des questions ou exprime-t-elle le désir d'en savoir plus? Ce sont autant d'indicateurs qui montrent qu'elle n'est pas seulement impressionnée par vos compétences, mais qu'elle y voit aussi un moyen d'établir un lien plus étroit avec vous. N'hésitez pas à partager vos talents. Ils font partie de ce qui vous rend unique, et l'intérêt qu'elle leur porte est un signe clair qu'elle apprécie l'ensemble. Que vous grattiez une guitare ou que vous prépariez un repas gastronomique, votre passion pour vos compétences pourrait être la chose même qui la rapproche. 4. Votre confiance. La confiance en soi est magnétique et les femmes sont souvent attirées par elle. Si elle fait des commentaires sur votre assurance ou votre capacité à prendre des décisions, c'est un bon indicateur d'attirance. Ces observations vont au-delà de la simple politesse, elles sont l'expression d'une admiration pour votre force intérieure. Les remarques sur la façon dont vous gérez les situations ou dont vous vous comportez révèlent son appréciation de votre assurance. C'est sa façon de dire « Je trouve votre assurance séduisante ». De tels commentaires lui donnent également un aperçu de la façon dont vous pourriez gérer les défis dans une relation potentielle. Mais attention!
La confiance qu'elle admire est une assurance tranquille, pas une arrogance effrontée. Lorsqu'elle vous complimente sur votre assurance ou vos compétences en matière de prise de décision, c'est le signe qu'elle apprécie votre personnalité authentique. Continuez à incarner cette confiance en soi authentique, elle fait clairement bonne impression. Soyez attentif à son langage corporel lorsqu'elle fait ses commentaires. Se penche-t-elle, maintient-elle le contact visuel ou sourit-elle chaleureusement? Ces indices non-verbaux peuvent renforcer son admiration verbale. Remarquez également si elle vous demande votre avis sur certaines questions ou si elle s'en remet à votre jugement dans les situations de groupe. C'est peut-être sa façon de montrer qu'elle apprécie la confiance que vous lui témoignez. N'oubliez pas que la véritable confiance en soi consiste à être à l'aise dans sa propre peau et non à dominer toutes les situations. C'est cette assurance équilibrée qui lui plaît. Continuez donc à avoir confiance en vous et en vos capacités, c'est une qualité qui attire clairement son attention. 5. Vos ambitions ou objectifs. Un homme avant-gardiste attire souvent l'attention d'une femme. Lorsqu'elle s'empare de vos aspirations professionnelles ou s'intéresse à vos projets passionnés, il ne s'agit pas d'une simple curiosité. Ses questions et commentaires indiquent qu'elle considère votre potentiel et envisage éventuellement un avenir avec vous. Exprimer son admiration pour votre dynamisme ou son enthousiasme pour votre travail et sa façon de dire « je m'intéresse à votre avenir ». Cela montre qu'elle apprécie l'ambition et l'orientation d'un partenaire. En s'intéressant à vos objectifs, elle cherche également à comprendre à quoi pourrait ressembler une vie commune. Votre passion peut être contagieuse. Lorsque vous parlez de vos ambitions, laissez transparaître votre enthousiasme. L'ardeur que vous mettez à atteindre vos objectifs pourrait bien éveiller davantage son intérêt pour vous. Après tout, un homme qui a une vision et un but est intrinsèquement attirant. Observez sa réaction lorsque vous parlez de vos projets d'avenir. Pose-t-elle des questions complémentaires? Fait-elle part de ses propres objectifs ou essaie-t-elle de trouver un terrain d'entente? Ce sont des signes qui montrent qu'elle ne se contente pas de bavarder, mais qu'elle explore activement la compatibilité. N'hésitez pas à lui faire part de vos rêves, même s'il vous semble farfelu. Sa réaction peut vous en dire long sur ses propres valeurs et sur la façon dont elle se voit dans votre avenir. Une femme sincèrement intéressée vous soutiendra et sera enthousiasmée par vos ambitions, qu'elles soient grandes ou petites. 6. Vos loisirs ou centres d'intérêt. Vos passe-temps et vos passions peuvent être de puissants attracteurs. Lorsqu'une femme s'intéresse à vos loisirs, c'est souvent le signe d'une attirance plus profonde. Ces questions et ces éloges sur vos centres d'intérêt vont au-delà de la simple conversation, elles tentent de comprendre ce qui vous fait vibrer. Exprimer son admiration pour votre dévouement à l'escalade ou à la photographie, par exemple, est sa façon de dire « je veux en savoir plus sur ce qui vous rend unique ». Cela montre qu'elle vous apprécie en tant que personne à part entière, et pas seulement pour vos qualités superficielles. Ces conversations axées sur les loisirs ont également une autre utilité. Elles lui permettent d'évaluer la compatibilité et de se trouver éventuellement des intérêts communs. Ainsi, lorsqu'elle vous demande quels sont vos projets pour le week-end ou votre dernier projet, partagez votre enthousiasme. Votre passion pourrait bien être le lien qui vous unit. Soyez attentif au fait qu'elle se souvienne de détails sur vos loisirs ou qu'elle les évoque au cours de conversations ultérieures. Cela montre qu'elle est réellement intéressée et qu'elle ne se contente pas d'une conversation polie. Exprime-t-elle le désir de participer à vos activités ou d'en apprendre davantage à leur sujet? C'est peut-être sa façon de créer des occasions de passer plus de temps avec vous. Ne minimisez pas vos centres d'intérêt, même s'ils vous semblent spécialisés ou peu conventionnels. Votre enthousiasme sincère pour vos hobbies peut être incroyablement séduisant. Il témoigne d'une profondeur, d'un engagement et d'une joie de vivre, autant de qualités qui peuvent vous faire ressortir aux yeux de la jeune femme. 7. Votre gentillesse. Les actes de gentillesse passent rarement inaperçus, surtout lorsqu'une personne s'intéresse à vous. Si elle commente vos actions attentionnées ou fait l'éloge de votre générosité, il s'agit d'un indicateur fort d'attirance. Ces observations révèlent qu'elle est très attentive à votre personnalité. En remarquant la façon dont vous traitez vos amis, votre famille ou même des étrangers, elle montre qu'elle apprécie la compassion et l'empathie. Lorsqu'elle souligne vos gestes de gentillesse, elle vous dit « je vois la bonté en vous » et c'est attirant. Cela lui donne également une idée de la façon dont vous pourriez la traiter dans une relation potentielle. Ne minimisez pas ses compliments. Votre gentillesse authentique pourrait bien être la qualité qui lui fera gagner son cœur. Un homme qui traite bien les autres est souvent considéré comme un partenaire idéal, alors continuez à laisser transparaître votre gentillesse.
Soyez attentif à sa réaction lorsque vous faites preuve de gentillesse. Sourit-elle chaleureusement, vous touche-t-elle le bras ou le mentionne-t-elle plus tard? Ce sont des signes qui montrent que votre gentillesse fait une impression durable. Remarquez également si elle commence à imiter votre gentillesse ou si elle vous demande de l'aider dans ses propres actions caritatives. C'est peut-être sa façon de s'aligner sur vos valeurs. 8. Votre eau de cologne ou votre parfum. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'attraction des odeurs. Lorsqu'une femme commente votre eau de cologne ou mentionne que vous sentez bon, c'est un signe évident d'attirance physique. Ces observations olfactives indiquent qu'elle se sent à l'aise à proximité de vous. Les compliments olfactifs sont intrinsèquement personnels. En faisant l'éloge de votre odeur, elle vous dit indirectement « j'aime être près de vous ». C'est aussi sa façon de créer des associations positives avec votre présence, car l'odeur est étroitement liée à la mémoire et à l'attirance. Prenez ces compliments parfumés comme un bon signe, mais n'oubliez pas que la subtilité est essentielle. Un parfum agréable peut être un puissant facteur d'attraction et lui donner envie de rester dans votre espace personnel. Un simple soupçon d'une bonne eau de cologne peut contribuer à laisser une impression durable. Remarquez si elle se rapproche de vous lorsque vous êtes près d'elle ou si elle semble trouver des raisons d'être dans votre espace personnel. Il peut s'agir de réactions inconscientes à votre odeur attirante. Pose-t-elle des questions sur votre eau de cologne ou mentionne-t-elle qu'elle associe une certaine odeur à votre personne? Cela montre que votre parfum laisse une impression mémorable. Même si c'est une bonne chose qu'elle apprécie votre parfum, n'en faites pas trop. L'objectif est de mettre en valeur, et non de submerger. Un parfum caractéristique peut devenir un élément de votre marque personnelle, quelque chose qu'elle a hâte de découvrir lorsqu'elle est en votre compagnie. Choisissez judicieusement et appliquez avec parcimonie. Parfois, moins, c'est vraiment plus. 9. Votre rire? Un rire sincère peut être irrésistiblement attirant. Lorsqu'elle commente à quel point elle apprécie votre rire ou à quel point il est contagieux, il ne s'agit pas d'une simple observation. Ces remarques indiquent qu'elle se réjouit de votre présence et qu'elle apprécie votre énergie positive. Complimenter votre rire est sa façon de dire « tu me rends heureux rien qu'en étant toi-même ». Cela montre qu'elle apprécie les moments de légèreté que vous partagez et qu'elle trouve votre nature joviale attrayante. Le rire partagé est également un moyen puissant de créer des liens et de renforcer l'intimité. Soyez attentif à la fréquence à laquelle elle essaie de vous faire rire ou à la façon dont elle réagit lorsque vous êtes amusé. Se penche-t-elle vers vous? Vous touche-t-elle le bras ou rit-elle avec vous même si elle n'a pas entendu la blague? Ce sont des signes qui montrent qu'elle est à l'écoute de votre joie et qu'elle veut en faire partie. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'être un comique ou de toujours faire des blagues. Il s'agit de partager des moments de bonheur authentique. Qu'il s'agisse d'un rire franc ou d'un gloussement discret, votre rire est une fenêtre sur votre personnalité. En l'appréciant, elle apprécie le vrai vous, et c'est une base solide pour toute relation. Maintenant que vous savez comment lire ces signaux, voici ce que je vous recommande de faire. Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commenté et abonnez-vous pour en savoir plus.